C'est Louis Zigang, veuillez ouvrir s'il vous plaît. Yo, salut. Regarde quoi. Tranquille. Aujourd'hui on est sur un petit spot à Rennes, Canal Saint-Martin. On va essayer de faire 2-3 trucs. Let's go. Oh oui. Oui. Yes. Oh trop bien. Ouais, oh, ça va gros. Qu'est-ce qu'il a fait? Gros, j'ai sur rat à la mort, je suis arrivé, je fais le plat d'eau. Il a fait in bag. Et allez. Voilà. Yes. Allez. Comment ils sont dingues à Rennes. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, tu me dis quand il va. Il y a eu le bon timing ou quoi? C'est pas mal. Et je veux dire que tu m'envoies des trucs, c'est, juste pour le fun. Hein, pas, ouais, ouais, vous voulez faire partie de la Wizzy, notre team. Vous avez un... mettre accroupi, c'est déjà compliqué. Alors, okay. Je vais avoir du faites mal. Voir quand même, faites voir. Faites voir quoi? Juste accroupi pour voir. Merci, à plus tard. Yes. Moi j'ai une petite line, tic tac sur l'arme. J'arrive là, je défends, je fais le move de Val et après je fais un petit full là-bas. Yes. Yes! J'aime bien ça! Bon, on est de retour au même spot. On va essayer de terminer le training qu'on avait commencé. Cette fois-ci avec du soleil. Let's go. Je réchauffe mes poignets au soleil. Yes. Oh, je suis allé hyper loin sur ma peau. Yes. Bon là on a trouvé un petit détente de 14 avec la course d'élan ici. Faut atterrir ici. Yeah. Yes, go boy. Oh putain, il a l'air trop kiffant. Bon là on est à l'école d'archi, on a repéré une petite line avec Romain. Moi je vais arriver, je vais faire ça, j'arrive là, après je vais faire palm side, après lui il arrive à faire palm drop et dub full. Non mais je pensais pas qu'on partait en fait. Je pensais genre t'allais refaire ton test et lui il filmait.
T'es dégoûté. J'ai trop le seum. Putain, mais je suis une... On était sur un roof et il y a des mecs qui nous invitent chez eux. Donc on va voir. On va voir comment ça va se passer. Alors, de l'autre toi. Oui, je suis là, je vous écoute. C'est Louisy Gang, veuillez ouvrir s'il vous plaît. Très bien, c'est au cinquième étage, en face, merci. Ils sont alignés. Eh mec, il est quel âge? Ils sont complètement exigés. On s'attend à chier au même. Yo, salut. Ça gaz ou quoi? Salut mec. Ça roule ou quoi? Merci. Salut, ça, ça va? La place au pote. Ça va? Salut. Yo, bon bah, nickel. Mais non. Ouais, je te dis pas de faire attention. Hein. Ouais. Putain, c'est stylé. Par contre, mec, ça n'a aucun sens. En fait, tout à l'heure, on était là, en train de faire le saut. Et ils nous ont vu de leur balcon, ils ont fait hey, putain, venez chez nous et tout. Du coup, bah, on arrive. Vas-y, je fais un bac. Tranquille. Oh ah putain. Vas-y, on descend. Nickel. Nickel. Ah c'est énorme putain. Des petites rencontres comme ça. Bon nous on va reprendre le training. Ça part. Bon là on est à Jacques Cartier. Et du coup ça part un petit training de fin de journée. C'est parti. Bon du coup là j'ai trouvé un chat presse. Il fait 13. Du coup c'est assez gros. Le départ c'est sur un espèce de truc un peu serré. Du coup c'est pas hyper agréable pour les mains. Mais je pense que ça va le faire. Vous l'avez vu l'année dernière. J'avais fait une prep et je m'étais dit c'est pas possible. Et puis là je sais pas, je le sens. Du coup je pense que ça va le faire. Bien sûr que ça va partir. Yes! Oh oh! Yes! Non mais là c'est illégal, c'est illégal. À ce niveau là c'est illégal, c'est énorme. C'est le genre de session où Louis il est incontrôlable, il trouve des défis partout. Là il vient de trouver un chat presse. Percu, genre immense de 14,5. Alors le projet c'est de faire chapresse entre les deux murs là. Les murs assez fins encore, du coup c'est pas très agréable. Et ensuite bah percu jusqu'au banc là-bas. Y'a rien qui va, y'a rien qui va, on est arrivé il y a genre une heure sur le spot.